Coucou les filles, je viens vous montrer mes petits soldes faits chez la fée du scrap et variations créatives. J'ai fait des soldes en France. Et avant, je vous montre deux trois petits breloques que j'ai trouvé hier chez Action. Voilà, ces petits breloques comme ça, il y en avait plusieurs sortes. J'ai pris deux dorés et deux argents. Voilà, il y a de quoi s'amuser avec ça en mixette, donc c'était pas très cher. J'ai pas trouvé grand chose d'autre, donc voilà, ça sera vite fait. Alors, la fée du scrap, ça faisait longtemps que je voulais acheter chez la fée du scrap. J'ai été très heureuse de la commande que ma fille avait fait pour ma gel press. Donc je me suis dit, bah, je vais faire des soldes. Donc voilà, j'ai fait. Donc, j'ai trouvé ce dice à Icreate que j'adore. J'adore celui-là. Je vais vous faire un petit home déco avec, je crois, d'ailleurs. Voilà, il est magnifique. Voilà. Icreate est cher, mais c'est de la bonne qualité. Ah, ça c'est ailleurs, alors. Ça c'est ailleurs. Alors, j'ai pris des petits alphabets 6X. Hop là. J'ai déjà fait une partie de mes rangements dice. Celles qui veulent voir, j'ai fait des tutos. J'ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube. J'ai un bout de temps. C'est dans la section rangement. Comment je fais mes rangements dice. Donc voilà. C'est avantageux en fait. C'est des vieilles collections, mais. Ça s'utilise tout le temps les dice. Et donc voilà, moi je mets une petite pochette quand c'est des petits trucs comme ça. Je mets une petite pochette en plastique dedans. Et ils sont tous là. Donc voilà, je sais pas les pertes. Quand c'est des petits trucs comme ça, je fais ça. Voilà. Alors, oui, ah ça celui-là. Hop, celui-là, je ne l'ai pas encore fait, oui. Voilà, c'est aussi en réclame. Ça à Marianne Design. Et c'est celui-là. Tous des petits râteaux. Vous voyez? Tous des petits râteaux. Il y a une petite binette, il y a des petits râteaux. Enfin voilà. Et celui-là aussi. Celui-là, ça va venir dans la pochette là. Même. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Je vais encore faire. Oui. Alors, la fée du scrap. Ça fait longtemps que je voulais essayer les dice de chez eux. Donc, je me suis fait plaisir. Et j'ai pris le dice ampoule parce que moi les ampoules je les adore. Alors il est très 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 beau. Ça coupe bien, franchement. Je dois dire. Voilà. Il faut un bon papier, c'est tout. Et donc vous voyez, celui-là est déjà fait. Hop là, celui-là est fait. Quand c'est des grands comme ça que je ne compte pas séparer, je ne mets pas d'aimant. Sinon en général, vous voyez, il y a une petite bande d'aimant. Quand c'est des planches comme ça que je fais sans entier, je ne bouge pas. Alors, le dice macramé. Ça fait longtemps que je voulais avoir cette petite pince comme ça. J'ai trouvé trop mignonne quand Annelise les utilisait dans ce tuto. J'avais flashé dessus, mais je me dis, je vais pas commander juste pour ça. Parce que bon, les frais de port de France en Belgique, ben, sont pas donnés comme vous là, dans l'autre sens. Quoi. C'est de Belgique en France, c'est pas si donné que ça. Donc, voilà. Donc, j'en ai profité. Voilà. Mais ils sont magnifiques. Voilà. Et la même chose. Hein. C'est toujours le même système. Alors, hop là, il reste encore des traces. Alors, les dice suspension filière. Ça, c'est de la fée du scrap. J'avais adoré. Je les trouvais trop belles. Et celle-là aussi, j'ai dit, un jour, je les aurai. Voilà, c'est fait. C'est fait. Ça vient d'ailleurs. Alors, je continue d'abord avec la fée du scrap. Bon, en finant, je suis tombée sous ces calques. Ils sont trop beaux. Et alors, ils sont épais. C'est des calques qu'on voit à travers, mais on ne voit pas trop à travers. Enfin, voilà. J'ai repris un poids bleu. Marine. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, en fait. Je vais mettre ma petite lampe, peut-être. Ça sera mieux pour vous. Donc, voilà. Ah oui, vous allez voir mieux les couleurs. Hein, c'est mieux, les filles. Donc, voilà. Ça, c'est le petit poids bleu. Je me suis dit, tant qu'à essayer, d'ailleurs il s'appelle calque rond bleu, je me dis, ah, qui va avec de toutes sortes. Et alors celui-là, j'ai trouvé trop mignon aussi.
C'est avec des petites fleurs. Ils sont orange, rose. Ça irait bien pour l'été, je trouve. C'est sympa, c'est frais. Enfin bon, il y en a plein d'autres, hein, mais moi j'ai craqué sur ces deux-là. Donc voilà, ça c'était une partie de la feuille du scrap. Alors, j'ouvre tout. Et oui, j'ai craqué de chez Craqué. Hop là. Alors, là tout n'est pas du tout de la feuille du scrap. Je ne sais plus ce que j'ai acheté, où et où. Donc j'ai acheté les dagues des ateliers de Karine. Et conçoit du scrap. Ça faisait longtemps que je voulais aussi. Donc c'est pose gourmande. Je trouve ça trop sympa. Voilà. Ils donnent bien. Ça se découpe bien aussi, franchement. C'est le premier dice de chez eux, ça se découpe bien aussi. Donc voilà. Comme ça, vous voyez. Hop là, je range. Je range. Alors, les tampons chou et flower. Ça, c'était chez Variation Créative. J'ai tout mis ensemble, je ne sais plus ce que j'ai. Je vous dirai d'où ça vient. Donc, des chou et flower, je n'en avais pas encore acheté. Parce que bon, ben, les frais de port sont pas si donnés que ça. Et ouais, il faut acheter déjà une, enfin, pour une belle somme. Ce qui, moi, m'arrive peu. Donc, voilà, pour avoir les frais gratuits. Donc, voilà, j'ai pris ceux-là. Je vous les ai tamponnés. Sont trop beaux. Je vais vous faire quelque chose avec. Ils sont trop beaux. Voyez. Je sais pas encore quoi. Hein. Mais j'ai déjà tamponné. Voyez. J'ai dû essayer. Ça me demande j'ai. Les petites bouteilles là. Moi j'adore. J'utilise ça tout le temps. J'adore. Plein de possibilités. Enfin voilà. Donc je vais tester ça. Voilà. Ça c'est chouchou et flower. Alors, ah oui, la feuille du scrap, ça. Je reviendrai après. Bon, ça, c'est les petits cadeaux que j'avais reçus, mais chez Variation Créative. Ça, j'ai reçu deux petits trucs comme ça avec. Donc, je vais en faire quelque chose aussi, mais je ne sais pas quoi. Ça aussi, c'est cadeau. Ça, de chez, ça, tout un bloc de chez Florilège. Je crois que je vais m'amuser à faire un mini-album avec. Je sais pas, j'aime bien les couleurs. Il y a plein de mots différents. C'est sympa, c'était cadeau à partir d'un certain montant. Donc voilà, j'aimais bien. Donc je crois que je vais faire un mini avec. Ça pourrait être sympa. Voilà, des petites photos de toutes sortes. Ça, il y a vraiment de... Enfin, il y a plusieurs couleurs, mais ça va ensemble, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un cadeau. Alors ça, hop, je vous montrerai après. Alors ça, c'était chez Variation Créative. En fait, il y avait plein en réclame, vraiment pas cher. Je crois que je suis arrivé à 50 cents pour ça. Franchement, c'était rien. J'ai pris que des blancs. Il y avait plusieurs couleurs. J'ai pris que des blancs. Je me suis fait plaisir sur les tampons Alcreate. Je le dis franchement. C'est plus si je les ai pris à la fée ou à Variation Créative, mais sur les deux, il y avait des planches qui étaient en réclame. Donc voilà. Donc je me suis fait plaisir, franchement. J'ai enfin acheté des poupettes. Je le dis franchement. Oui, alors ça j'ai reçu de la feuille du scrap. Franchement, je trouve la petite madame sympa. Je vais peut-être en faire un petit art journal, j'en sais rien. Mais... Voilà. Ça, c'était les petits cadeaux de la feuille du scrap. Très mignon, je trouve. Très sympa aussi. Donc voilà. Alors, ah ben voilà. Alors ça, je vais vous en parler. Donc j'ai acheté des bois à la feuille du scrap, parce que ça, moi les négatifs j'adore. Ici c'était une jolie petite bouteille, ouais, une petite bouteille de lait, une petite cruche de lait, ça fait un petit cœur, je trouve ça trop mignon. Une ampoule, bah ben oui, je résiste pas, parce que vous voulez, je suis faible. Et ça je trouvais très sympa aussi, je sais pas, sur une page avec un mot et tout, ça va être super sympa. Je me suis pris un petit album. Très sympa, je sais pas avec quoi je vais faire dedans, mais voilà, je trouvais ça vraiment super sympa. Et donc toutes ces petites babioles en fait sont emballées dans ces petits papiers là. Vous voyez, c'est un effet bois, j'ai trouvé trop joli, donc je l'ai gardé. C'est des papiers d'emballage, mais regarde la texture, donc je suppose qu'elle les vend. J'ai pas vraiment gardé, mais bon voilà, c'était ça qui
tout emballé là-dedans. Donc voilà, je vais m'amuser. Je sais pas encore quand, hein, je vous le dis. Ça, c'est autre chose. Hein. Ça, c'était chez Variation Créatif. Il y a plusieurs chipboards Stamperia qui étaient en réclame. Moi, j'ai pris les blancs parce que ça passe partout, comme je dis. Et bon, il y a d'autres qui me plaisaient, mais j'en ai déjà de chez La Bulle, donc voilà. J'ai pris ça. Alors, ça, c'est une nouvelle marque. Ça, c'est un délire plaisir, on va dire. Ce sont des nouvelles marques qui sont entrées chez Variation Créatif. J'ai vraiment flashé ici sur les deux fleurs. J'adore les nérines. J'adore les tout ce qui est les fleurs en pavot, comme les physalis. Mais ça, c'est plus des fleurs, c'est déjà des fruits. Mais bon, voilà, j'adore ces fleurs très graphiques en fait. C'est quand j'en avais à l'école pour mes études de fleuriste, chaque fois, je devais les mettre dedans ces trucs-là, c'était magique. J'adorais. Donc voilà, donc je les ai essayés, je les ai tamponnés aussi. Ce sont des gros tampons mousse, bien épais, donc vous voyez, j'ai déjà tamponné. Donc je vous montre. En tout cas, ils sont bien. Voilà. Ça se tamponne très très bien. Je n'ai pas essayé tous, je vous ferai un art journal avec ça, mais ça se tamponne très très bien. Donc, ils sont bien. Donc des chouettes, chouettes marques. Le reste, je vous montre après, ça arrive. Alors, les autres tampons. Donc, comptoir du scrap, j'ai continué. Studio Forti, je les aimais bien, mais je les trouve très chers. Les tampons, je sais qu'ils sont de très bonne qualité, donc je n'ai pas hésité à prendre, parce qu'ils étaient vraiment à moins 50%, celui-là. Donc, ça donnait un tampon, mais vraiment très, très raisonnable. Et bon, c'est des motifs que je n'ai pas tellement, donc voilà. Donc, celui-là, je ne vais pas tamponner. Alors, ici, comptoir du scrap, j'ai continué. J'ai acheté encore un petit chou et flower qui est là. Ils sont trop belles. Hein. J'ai tamponné le petit Jinko. Ça, c'est un tampon de la fée du scrap. Il est non monté. Mais regardez comment il est beau. Il est tout fin. J'adore les feuillages de Jinko. J'adore. Trop beau. Donc, franchement, je suis très très contente. Voilà. Ça, vous voyez, alors là, donc tous ces tampons là, je vais vous les montrer après. Tampon, donc celui-là en fait, j'ai trouvé ça trop mignon. J'avais déjà vu quand ils l'ont sorti, mais je vais pas les commander à comptoir du scrap pour un tampon, causé frais de port évidemment. De vous, et je trouve ça trop mignon, cet effet lame comme ça, trop mignon. Mais franchement, il est magnifique. J'ai craqué sur les briques, ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté un nouveau tampon. Donc voilà, les petites étiquettes, donc je trouvais ça trop mignon aussi. Je les avais vus aussi quand ils avaient sorti, je trouvais ça trop joli. Ah ben, elles sont magnifiques, je vous montre. Hein. Donc voilà. Ça, j'ai fait en deux couleurs pour voir le rendu. Donc ça, c'est l'effet lane et ça, c'est l'effet brique. Ça, c'est le comptoir du scrap. Trop beau. Alors, les étiquettes. Regardez. Tous ces petits tampons. Bon là. Sont trop belles, hein. Trop trop belles, franchement. Il y a un moyen de s'amuser. Je suis sûr qu'il y a d'autres tampons, d'autres marques qui vont entrer dedans, mais j'ai trouvé très sympa. Voilà, comme vous voyez, je me suis acheté les poupettes. J'ai déjà tamponné. J'ai tamponné. Ça, c'est un tampon cadeau de Variation Créatif. J'ai tamponné aussi déjà, donc c'est un cadeau aussi. Ça, et bah, le reste, oui, tout est là. Hop là. Donc voilà les poupettes. J'en ai enfin. J'ai deux poupettes. J'ai deux poupettes. Formidable, j'en ai deux. Ceux-là, moi, j'ai déjà vu ça depuis longtemps. Ça me faisait plaisir. Je trouvais trop mignon ceux-là. Ces petits bonhommes, je me dis, il y a plein de moyens de s'amuser. Je suis sûre qu'on peut les détourner facilement en steampunk et tout. Donc là, ils étaient en réclame aussi chez Variation Créatif. Là. Donc je me suis fait plaisir, j'ai pris aussi. Voilà. Alors, là. Ça, c'est de la fée du scrap. Des petites attaches comme ça. Pour faire des. Pour faire une petite ceinture ou faire une petite fermeture d'album. Il y avait plusieurs couleurs. Je dis, j'en prends une.
qui est bien, c'est qu'elle emballe tout dans les petits sachets comme ça, aussi bien les dice que les petits brolles comme ça. Donc c'est sympa. J'ai acheté des petits pompons qui étaient en réclame. Ah, donc je disais, j'ai acheté des petits pompons. C'était chez Variation Créative. Ils étaient aussi à moins 50%, moins 40%. Enfin, ça valait la peine. Quoi. Donc j'ai pris deux paquets, mais plusieurs paquets de plusieurs couleurs différentes. Donc voilà. J'ai pris les couleurs les plus basiques, je dois dire, ou qui me manquaient. Donc ça valait la peine. Ça, c'était la feuille du scrap ou variation, je ne sais plus. Mais c'est toutes les petites breloques. C'est trop mignon, il y a un petit love, il y a un petit soleil, une petite fleur, une lune, une petite bestiole, une petite abeille, mouche quoi. Voilà, trop mignon. Alors, Alkea, je lui ai dit hein, que j'avais envie. Donc j'ai continué. J'ai pris les tampons de fond, moi c'est ce que je préfère chez eux. C'est ce que j'utilise le plus aussi, donc voilà. N'est-ce pas, hop. Voilà. Et les autres. J'ai fait le. J'ai fait la réserve. Malgré. Ah oui, encore un dice. Hop là. Un autre dice 6X qui est aussi en réclame. Voilà, celui-là, c'est la même chose. Enfin, eux ont mis un petit sachet déjà dedans. Moi, ça reste comme ça aussi. C'est des très 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 grandes lettres ceux-là, très fines. J'aime bien moi les dice lettrages comme ça, parce que ça vous permet de faire des titres, de faire plein de choses. Vous voyez, ils sont hauts, hein. Ils sont grands ceux-là. Ah ben, j'ai déjà changé le sachet. Voilà, vous voyez, c'est grand. Donc voilà. Ils étaient aussi en solde. Hop, on va laisser sur le côté, on va lui mettre un sachet. Alors, un petit tampon, est-ce que j'ai un tamponné aussi? Il était toujours trop mignon, il était aussi en réclame. Pom pom pom, allez, il est trop mignon, non? Trop mignon, trop mignon. Voilà, j'ai craqué dessus. J'achète pas beaucoup de tampons, bon, j'ai pas beaucoup de place, mais franchement, voilà, j'ai craqué. Et alors, un autre tampon cheveux flower. Que j'avais craqué aussi, mais que j'ai pas acheté non plus parce que voilà, toujours pour les mêmes choses. Et un petit pâle créate avec plusieurs en réclame aussi. C'est la 5 que j'avais pas encore. J'aime bien les couleurs bleues et trucs. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. En tout cas, je suis contente des deux boutiques. Je referai certainement, mais bon, je change de boutique à chaque fois, comme ça je découvre. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, bon, j'ai jamais acheté autant pour si peu d'argent, on va dire. Et que, je dois dire que j'ai la fée du scrap, je me suis vraiment fait plaisir. Là, les tampons cheveux flower, tout ça, ils n'étaient pas vraiment réclame, mais je me suis amusée. Et j'en voulais, donc c'était le moment de coupler avec. Et le reste, ben oui, il y a plein de petits breloques comme ça, ou de vieux tampons. Des, voilà. Qui sont pas des nouveautés, mais c'est pas grave. On sait s'amuser avec et ça vaut vraiment la peine pour tout ce qui est, surtout très petit, tous les petites breloques, les petits pompons, les petits ponts, et les, tout ce qui est petits embellissements. En fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de réclames là-dessus. Bon, maintenant, pas besoin des tonnes, donc voilà. Et bon, ben oui, les dice, il y avait pas mal non plus de réclames dessus. Donc voilà. Donc, je vous dis à bientôt. J'ai continué à filmer. Et je reviendrai certainement bientôt avec la nouvelle collection de Scrap by Fleur. Certainement. Donc, bisous, à bientôt les filles.